Cérémonie à l'Institut des Relations internationales lyriques au Cameroun. J'ai rencontré le directeur de l'Institut international pour la francophonie qui m'a donc proposé, demandé d'être la marraine de cette 22e édition ici à Lyon. Donc, j'ai vraiment accepté parce que j'ai trouvé en cela une très grande considération pour ma personne. La cérémonie a commencé avec l'ouverture. J'ai été très impressionné d'être aux côtés de toutes ces grandes autorités. C'est véritablement l'image de l'excellence sportive, l'image de l'excellence francophone, tout y était, donc c'est un honneur et un plaisir pour moi de coller cette image de la réussite sportive dans l'espace francophone et cette image féminine forte. Donc merci vraiment d'avoir pensé à moi. Alors déjà, juste pour rappel, hein, les Jeux Olympiques, c'est le plus grand événement au monde. Ça veut dire que pendant cette période, le monde entier sera retourné vers la France. Donc le défi est grand. Autant on va avoir des bénéfices de relever ce défi-là. Ça, c'est sûr et certain. Et vraiment, il y a des infrastructures de qualité et une très grande diversité en France. Donc déjà, ça, c'est un point très positif. La première, ce sera vraiment l'entrée aux Jeux Olympiques avec l'ouverture des Jeux. Et c'est un moment où, sur le plan sportif, sur le plan politique, diplomatique, sur le plan touristique, sur le plan économique, la France a tout à y gagner et elle est capable de gagner. Ce sera un moment magique. Je souhaite à tout le monde de le vivre. C'est une terre d'accueil. C'est ce que je peux dire.